Chères Berquémoises, chers Berquémois, désormais, nous sommes bien en 2021. Rarement nous n'aurons autant souhaité la fin d'une année et le commencement d'une nouvelle. Cette année terrible qui aura changé nos habitudes et tant affecté notre vie est à présent derrière nous. Un regard dans le rétroviseur est nécessaire avec un double devoir. Un devoir de mémoire envers nos chers disparus et un devoir de grande reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui se sont donnés, sans compter, parfois au prix de leur propre vie, pour aider les autres et sauver des vies. Je suis très fier de la manière dont nos habitants ont réagi et je vous remercie chaleureusement pour tout cela. 2021 sera une année d'espoir et de résilience. Espoir, car même si nous n'avons pas encore pu battre définitivement ce virus, notre persévérance face à l'adversité, l'arrivée annoncée de vaccins, le développement d'une immunité collective et le changement de nos habitudes doivent nous permettre de faire face et de surmonter cette crise sanitaire. Ce n'est qu'unis, en conjuguant nos efforts et en étant solidaires l'un avec l'autre, que nous réussirons. Résilience ensuite, car les crises et les obstacles, aussi difficiles soient-ils, sont des sources de progrès, des opportunités à saisir pour nous permettre de rebondir plus haut et d'évoluer. Une telle crise sanitaire n'est pas la première et ne sera sans doute pas la dernière. Il est essentiel d'en tirer les leçons et de se redonner des projets et des objectifs, comme celui de retisser nos liens pour faire de Berquém-Sainte-Agathe une commune plus humaine encore. Continuer également à soutenir nos commerçants et petits indépendants qui ont particulièrement souffert. Chères concitoyennes, chers concitoyens, en tant que bourgmestre, je tiens à vous souhaiter, à toutes et à tous, une très belle et heureuse année 2021, avec de la santé, et je pèse mes mots, car cette année, ce vœu prend une dimension toute particulière. Une année de liberté, mais aussi de responsabilité et de solidarité. Une année pendant laquelle chacune et chacun puisse travailler ou recommencer à travailler, reprendre et pratiquer ses activités. Une année avec, comme ligne directrice, le soutien aux plus fragilisés d'entre nous. Vous l'aurez deviné, les défis sont nombreux, mais je peux vous certifier que notre projet pour Berquém-Sainte-Agathe est de continuer à rechercher une haute qualité de vie pour toute la population, à faire évoluer notre commune harmonieusement comme un village urbain adapté à son temps, en développant sa convivialité et ses nombreux atouts. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous tout au long de cette année 2021 sur nos médias, notre page Facebook, notre application mobile, notre site internet et dans le Berquém News pour vous informer de toute l'actualité communale et des projets futurs pour notre commune. Portez-vous bien. Ensemble, solidaires et responsables, nous ferons de cette année qui commence une réussite.